remercier les gens qui faisaient le plus de bruit! C'est pas vrai! Personne m'a dit ça! Vous êtes cons! Mais maintenant, je le sais que vous faites le plus de bruit. Je vais répondre à la question que beaucoup de gens se demandent. Non, je ne suis pas lesbienne. J'ai une putain de face de brouteuse. Je suis consciente de ce que j'ai l'air. Mais en même temps, je veux pas trop le dire publiquement que je suis pas lesbienne, hein? Parce qu'elle me regarde comme aucun autre homme ne m'a jamais regardé auparavant. Tu sais, dans la vie, il y a des attrape-touristes. Moi, je suis un attrape-lesbienne, un piège à moule, une gare à Gwyn. Attrapez-les toutes, poké-chat, c'est moi ça, j'ai peur de rien. Il y a une fille, après un spectacle, elle vient me voir, elle est un peu bourrée. Elle vient me voir et elle me dit, « Je sais que ça va paraître bizarre, mais est-ce que tu penses que je peux me masturber devant ta photo? » Je lui dis, « Pourquoi ma photo? Je suis là. Garde-toi, ma cocotte, c'est gratuit. » Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Ah oui, ma mère est arabe, mon père est mort. Ouais. Merci de rire de la mort de mon père. Mais je veux pas qu'il y ait de malaise. En même temps, je veux pas qu'il y ait de malaise par rapport à la mort de mon père, parce que la vérité, c'est que j'ai jamais connu mon père. J'ai jamais eu de modèle masculin. Ben, un, moi. Mais j'ai jamais connu mon père. Et la seule information qu'on m'a donnée à son sujet, c'est que c'était un alcoolique. Et j'essaye de lui rendre hommage le plus souvent possible. En ce moment, je suis défoncé. Et là, je sais qu'il y a des fins renards qui sont comme, « Ben là, c'était si bourré que ça. Comment tu fais pour tenir debout? Ha ha! La cocaïne! » C'est vrai. Beaucoup. J'adore ça. Ah ouais. La bonne coke. Malgré l'enfance perturbante que j'ai eue, pour vrai, j'ai eu une magnifique mère qui m'a élevée de la meilleure façon qu'elle le pouvait, pour vrai. Elle a été fantastique, malgré le fait qu'à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu mes premières règles, elle m'a dit qu'un tampon, ça déviergeait. Vous imaginez? Un tampon, ça te dépucelle. Est-ce qu'il y a des filles qui ont vécu ça ici à Montreux? C'est vrai? T'es où? Comment tu t'appelles? Clem? Clémence ou Clem? C'est ça, ben c'est Clémence, pas Clem. Pourquoi tu fais chier à dire Clem? Dans ton baptistère, c'est Clémence. Pourquoi t'es comme ça avec ta mère? Elle a pris le choix de dire Clémence, fait que c'est pas Clem. Je te déteste déjà, pour vrai. Toi et moi, on sera jamais amis, Clé. Tu vois, j'en les aime. Clem, ta mère t'a dit qu'un tampon, ça déviergeait? C'était une rumeur, puis tu l'as cru. Mais c'est sûr, parce que c'est le travail d'un enfant de croire à sa mère. Est-ce que t'étais un petit peu timide quand t'allais à l'école et que tu voyais que toutes tes amies étaient plus vierges? C'est quand même fou, là. Toi, est-ce que toi aussi t'as porté les longues serviettes comme ça? Moi, j'ai porté, tu sais, les serviettes de nuit, mais de jour, de là à là. Pour vrai, le tapis d'Aladin, on dirait que j'avais l'air du bébé dans les Razmoquettes. Je marchais, on dirait que j'avais de la merde dans le cul constamment. Hein, Clémence? C'est comme ça que tu t'appelles, conne. Et aujourd'hui, tu le sais que ça dévierge pas. Comme t'en portes un en ce moment. Non? OK, moi oui. Très bien placé. Hop là! Je vais te dire quelque chose et dis-moi si t'es comme moi, ma chum. Dis-moi, OK? Moi, quand ma mère m'a dit qu'un tampon, ça déviergeait, j'aurais tellement voulu avoir du courage pour la regarder droit dans les yeux puis lui dire, « Maman, si tu savais le nombre de choses que je me suis rentré en dedans, moi, à ta place, je l'éplucherais, ce concombre-là. » Et arrête de fouiller derrière les coussins du canapé, elle est pas là, la télécommande. J'ai vu des filles qui sont comme quoi? Elles se masturbent avec des fruits. Allez chier, vous l'avez toutes déjà eu, la fringale de nuit, les filles. Vous êtes des petites menteuses. Moi, j'ai essayé Clem, il y a pas longtemps, avec une banane, c'était exceptionnel. J'ai des trucs. La tige à l'extérieur, hein, sinon, ça graffine, c'est pas cool. Ensuite, n'utilisez jamais les bananes congelées. Tu sais, pour faire des cakes aux bananes, ça te congèle la flore, c'est pas agréable. Et mauvaise nouvelle, mesdames, la banane, contrairement à l'humain, plus qu'elle est noire, moins qu'elle est le fun. Ça te pète dans le vagin, ça te fait un smoothie, c'est pas cool. C'était la bonne nouvelle. Pis, Clem, est-ce que tu te demandes en ce moment si t'as des bananes à la maison? Non, mais j'ai de la courgette, y a pas de problème. Moi, quand je vois des vieilles dames tripoter les melons d'eau, je me dis, ah, ce party de sous-sol va être exceptionnel. Dis-moi avec quoi tu te masturbes, je vais te dire t'es qui. Par applaudissement, les filles qui se masturbent, allez-y. Hey, arrêtez, moi habiter en Suisse, ce serait ma seule activité, tellement que c'est à chier pour vrai, allez-y. Oh, que vous êtes pudiques, par applaudissement, les vraies femmes, allez-y, applaudissez celles qui se masturbent. Bon, madame, c'est quoi votre problème?
La seule raison valable pourquoi t'as pas applaudi, c'est si tu peux pas applaudir parce que tu te masturbes live en ce moment, hein? Les gars, je vous le demande pas, c'est comme demander à un chien s'il s'est léché le cul aujourd'hui. C'est à cause de vous qu'il n'y a plus d'arbres. On a honte! On a tellement honte de dire publiquement qu'on se masturbe, c'est horrible! Clem, Clem, t'es encore là? Clem, enlève la banane de ta bouche. Clem! Ma fille qui a pas applaudi, je vais te faire ma liste d'arguments pour te prouver que la masturbation, c'est la meilleure activité du monde. T'es prête? Check ça. Un, personne meurt. Fin de la liste. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que vous savez ce qui arrive? Moins qu'on en parle publiquement et plus qu'on entretient un mythe à l'égard des hommes, hein? La plupart des hommes pensent qu'une femme, quand ça se masturbe, il y a des papillons, des draps blancs et on chante la chanson « Le temps est beau! » Vous ne m'avez jamais vu me masturber. Je me manque de respect constamment. Je me demande même plus la permission. Quand je fais trop de bruit, je me tripote dans un coin sombre et je murmure des « chhhh ». Yeah, la Suisse. Vous pouvez aussi vous mettre du chocolat dans le vagin, c'est toujours cool. Avant de partir, je veux faire une petite confidence. Je fais pas de pipe. Ouais, je suce pas de bite. Là, je sais qu'il y a plein de filles qui me regardent et qui sont comme « Quoi? On avait l'option! » Ah oui, je taille pas de pipe, je pompe pas de dard. Quand j'ai quelque chose de blanc sur le bord de la bouche, c'est parce que j'ai mangé de la sauce Alfredo, pas Alfredo. Mais c'est parce que fellation, ça sonne comme un avertissement. On dirait un mélange, on ne fait le pas, puis attention. Je viens de perdre tous les hommes dans la salle. Il y en a une couple qui sont devenus religieux. Notre Père qui est aux cieux, faites en sorte que cette femme soit exterminée de la société, s'il vous plaît, amen. Mais c'est parce qu'on dirait que dans l'imaginaire collectif des hommes, toutes les femmes font des pipes, hein. Celles qui en font pas sont brisées. Faut qu'on les répare. Je vous jure, un gars sur deux à qui je dis que je fais pas de pipe me répond par la même question. T'as déjà pensé à aller voir un psy? Ben oui, mon gars, tous les jours pour plein de choses. Là, pas manger de bites, c'est le moindre de mes problèmes. Et les filles, je me confie même plus à vous, vous me répondez comme si je vous avais trahi. Quoi? T'as pas de pipe? De l'autre côté, je peux comprendre la réaction des filles. T'sais, c'est la plupart des filles qui font des pipes. Moi, je fais pas de cunnilingus, tu vois. Je sais les pertes que j'ai, je touche pas à ça. Morceau de fromage cottage, oublie ça. Ah, pour vrai, je vais vous dire quelque chose. Moi, je trouve ça quand même ironique que la plupart des femmes qui sont outrées par le fait que je fais pas de pipe, c'est les mêmes filles qui sont outrées quand je dis que je veux pas d'enfants. Et s'il y a deux activités contradictoires? Parce que je vous annonce officiellement, demoiselle, que si vous tombez enceinte après une pipe, soit le gars était trop membré ou il y avait plus de monde que tu penses dans ton lit. Mais peut-être que si ça goûtait meilleur, je me suis déjà bouché le nez. Puis ça a rien changé. Même que le gars avait l'air un peu offensé. Mais c'est juste que... On dirait que le pénis, c'est du brocoli, puis moi, je suis un bébé. Il y en a même un qui a essayé de faire l'avion à un moment donné. Et croyez-moi, c'est pas comme le vin, hein? Ça s'améliore pas en vieillissant. Ouais, j'en ai eu une beaucoup débouchonnée. Je suis allé voir un sexologue, il m'a dit que j'avais une fellatiophobie, ouais. Il m'a dit que c'était relié à un traumatisme quand j'étais plus jeune. À 8 ans, je me suis tout fait avec une sucette. À 11 ans, j'ai vu ma meilleure amie aller à l'urgence à cause d'une allergie aux bananes. Et toute mon enfance, mon beau-père m'a forcé à le sucer. OK, celle-là, c'était une blague, pour vrai. Ça, je m'excuse là-dessus. Il me forçait pas. Merci, bonne soirée, mon gars.